suis venue parce que je fais partie de l'association Non à l'autoroute de Florange. Je suis concernée parce que ma maison risque d'être rachetée et donc je vais être expropriée. Et à mon âge, j'ai presque 70 ans, je me pose la question de savoir où je vais aller. Parce qu'il n'y a aucune banque qui me prêtera de l'argent à mon âge pour acheter une autre maison. Alors je suis dans l'expectative de mon avenir. Oui, partir en ville, parce qu'il y a moins d'expropriation, il n'y a que des terrains agricoles, il n'y a que des terrains non viabilisés par les personnes. Et donc, il y aurait moins d'impact humain et écologique par ce contournement. Les plus, c'est que les gens ont pu s'exprimer. Le moins, c'est que les réponses restent toujours évasives. Eh bien, ce que j'attends, c'est qu'on ait des réponses claires et qu'on sache exactement ce que nous attend l'avenir. Surtout nous, les Florangeois, parce que bon, ben, c'est nous qui nous sommes le plus impactés.